Hello guys, hello family, hello people, welcome back to my YouTube channel. Welcome if you are new here. My name is Maryse and I'm fine and I hope you too. So if you don't know my name, if you don't know this channel, it's your day today. So you just have to subscribe to my Instagram account that I put you right now and subscribe to my YouTube channel that I put you here, and that's all. Let's go. So let's start. Je suis grave contente de vous retrouver ici. C'est vrai que ça fait longtemps que j'étais pas là. Juste pour un réaménagement, j'avais beaucoup de choses à faire. J'étais très occupée au point où filmer c'était devenu genre comme un truc impossible. Tu vois, genre un truc qu'on peut même pas faire. Mais finally, by the grace of the Lord, I'm here in this bando. Comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, je viens aujourd'hui avec une vidéo dans la rubrique Healthy Life, parce que vivre dans un endroit beau, propre, arrangé, ça agit sur le mental, ça agit sur l'organisme, ça agit sur tout, tu vois. Donc je me suis dit, j'allais te faire une petite vidéo concernant certains articles que tu pouvais acheter pour décorer une chambre ou encore ta maison. C'est pas vraiment quelque chose d'exhaustif ou que tu dois avoir, c'est pas un must have en fait, c'est juste quelque chose que j'aime, des choses que j'aime que j'ai acheté et que j'ai eu à customiser by the way. Donc je te laisse avec le reste de cette vidéo là et puis bah voilà. Donc voilà, j'ai pris 3 bougies. Enfin, c'était un pack, c'est comme ça que j'avais trouvé ça là-bas. Donc c'était un pack de 3 bougies comme ça. Je mettais le prix sur l'écran. Donc j'ai acheté ça là-bas et voilà. Je voulais des bougies parfumées, je n'en ai pas trouvé. J'ai pris des têtes d'oreiller. J'en ai pris un noir comme ça. Avec les dimensions. Je mettrai les dimensions parce que je ne les ai pas en tête là. Et j'en ai pris un blanc. Voilà, c'est vraiment d'où la matière là, vraiment. J'ai pris ça à 1000 francs. Je sais pas si vous connaissez, pour ceux qui sont habitués. Voilà. Ensuite, j'ai pris des cadres comme ça. J'en ai pris 2 pour mon mur. Changer le fond parce que ce fond-là, vraiment, c'est pas terrible. Il y a la dimension de ce jour. Je mettrai ça, tout ça sur l'écran ou en barre d'infos. Donc voilà, j'ai pris des cadres noirs, quoi. Ensuite, j'ai pris 2 rideaux de ce genre pour mes placards parce que mes placards n'ont pas de porte. Ils avaient des portes, mais ils n'ont plus de portes maintenant. Donc du coup, c'est ouvert et il y a la poussière qui rentre et tout. Donc du coup, j'ai pris 2 comme ça de rideaux. C'est 2m49 sur 1m49. Après, je ne me rappelle plus. Ça se présente comme ça. Je vous mettrai toutes les dimensions, tout ce qu'il faut savoir sur l'écran. Et peut-être en barre d'infos, je ne sais pas encore. Donc voilà. Donc avec les tringles là, ça se présente comme ça. Et la texture, c'est comme du lin. Je sais pas si vous connaissez le lin. Pour ceux qui sont de la matière en tout cas. J'ai pris du papier peint autocollant pour mes tables là où je pose mon maquillage, mes crèmes pour le visage, tout ce qui est produit cosmétique. Parce que ça tache la table et je veux pas gâter le bois. Du coup, j'ai acheté ça pour tout ça, tout ce qui est couverture et tout. Donc, je vous présente ma petite table de chevet. J'en ai 2 comme ça. Désolée pour le collant. Bref, chez moi. Donc j'en ai pris, enfin pour ma table, j'en ai 2 de table comme ça. Je pose et mon make-up, comme je vous ai dit, tout ce qui est produit cosmétique et tout. Donc la table se présente comme ça. Là, il y a déjà des dégâts parce que je mets et du thé, tout ce que je trouve, je mets dessus. Donc je vais mesurer le papier peint. C'est pas vraiment du papier peint, c'est comme du scotch mais avec des motifs bois. Bref, je l'ai pris à Chic Shop pour ceux qui connaissent. Non, pas à Chic Shop, pardon, à 1000 francs à Abidjan, ici, pour celles qui sont à Abidjan. Ça m'a coûté 1000 francs, si je ne me trompe pas, ou 2000 francs. Donc, vu que c'est autocollant, c'est du scotch carrément. Donc, je vais coller ça sur toute l'étendue de la table pour protéger. Et ça s'enlève super facilement. D'ici 3 mois après, j'ai l'impression que c'est en train de se gratter, se fissurer pour quelque raison que ce soit. Bah, je décolle tout et. Et voilà quoi, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Là, je suis en train de coller aussi simplement que ça. Maman.
Elle a 5 doigts, en voici 2, en voici 3. Celui-ci est mon petit bonhomme. Il parle pas d'eux, il parle de toi, il parle de toi. Puis j'assume moi, il dit quelque chose, et puis c'est ça. Et quand il nous regarde tous les deux là, amusez-moi en part, tu peux me faire quoi. J'ai déjà boulé dans le game, là je suis gamin. Inspiration pleut, mais je ne fume pas de gamme. On est revenu, on cesse pas de les épater. Nobé dans le dos, donc c'est moi l'attaquant. Numéro 9, donc c'est moi l'attaquant. Regarde-les maintenant, ils font trop les gamins. S'ils sont ré, c'est que je suis mis. Une chose est sûre, je suis le haut de gamme. Devant moi, y'a rien. Je n'ai pas peur de jamais de s'endroit. Quand j'arrive à ce gars, habillé de deux seins, mon gars est 36. Tu veux la causer, mais c'est quoi la suite? Je fais du neuf, la wall. J'ai chargé le game là, c'est ok. J'ai chargé le game là, c'est ok. J'ai chargé le game là, c'est ok. R.E. carré dans la Luca, tu nodais. J'ai chargé le game là, c'est ok. J'ai chargé le game là, c'est ok. Lyon a rugi, ils ont fui. Moi, j'ai chargé le game là, c'est ok. Donc voilà le rendu final, c'est propre, c'est clean, c'est j'adore. Voilà, donc là je vous montre ma chambre avant, parce que j'ai fait un avant après. Là j'ai mon tableau que mon cousin m'a offert, parce que c'est un peintre. Bref, il fait de l'aventure. Je vous montre là ma table, je sais pas si vous voyez bien, la table de chevet, il n'y avait pas le DIY que je vous ai montré précédemment. J'avais pas de rideau sur mes fenêtres. J'avais pas les coussins non plus, si vous avez vu. Là, mon placard, c'est la catastrophe. J'ai pas de rideau non plus, donc c'est ouvert comme ça. Franchement, c'est pas le plus cool, tu vois. Il y a toutes les affaires là, comme ça, avec la poussière et tout. Bref, le mur, il est normal. Enfin, le mur, j'avais repeint. Je voulais vous montrer, mais je sais pas si je le ferai dans une prochaine vidéo ou je sais pas. Ensuite, là, on va voir ensemble le final. Donc, j'ai mes cadres que j'ai mis sur le bois de mon lit parce que j'avais pas trouvé de pointe pour fixer. Là il y a le tableau qui restait sur la table là-bas, je sais pas si vous voyez, mais il y a le papier peint que j'ai mis, voilà, qui est voilà. Les coussins, j'ai DIYé. J'ai mis des pompons dessus pour que ça fasse joli. Le placard, j'ai mis les rideaux, vous voyez comment ça, en plus là ça éclaire super bien ma chambre parce que c'est du blanc, donc avec la lumière du jour qui rentre comme ça. Là j'ai mis un rideau sur ma fenêtre. Je vous ai pas montré le rideau parce que j'avais déjà le rideau, mais je ne le mettais pas. Donc, c'est pas quelque chose à acheter. Pour les cases, j'ai rempli. Enfin, j'ai imprimé un des textes, deux textes oubliés que j'adore, que j'aime beaucoup. Et j'ai rempli dans les cases. Les coussins, j'ai rempli avec de quoi remplir les coussins là. Comment on appelle ça? Le remplissage de coussins. Et j'ai fait des pompons pour rajouter dessus pour donner un flot jaune-noir comme le mur en fond arrière, quoi. Vous voyez. Franchement, avoir un truc beau, simple et cosy, c'est dans les détails et c'est dans l'inspiration, comme vous. Vous voyez comment c'est beau là, regardez comment c'est inspirant quoi. Donc, bisous! Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Avant de faire mon introduction finale, je t'invite à t'abonner, à aimer, à commenter, à partager avec tes amis et tout. Je vais te montrer mon bail préféré dans toute cette histoire de déco. C'est le truc que j'ai le plus aimé, c'est-à-dire les cadres avec les bordures noires, avec le fond. Donc comme j'ai pu te le dire dans la vidéo, c'est que j'ai acheté un cadre tout fade, noir, normal. Et j'ai décidé de mettre une inscription. Et j'ai mis mes deux versets préférés dans les deux différents cadres. Ce que tu vois. Et du coup, ça c'est la joie du Seigneur et ma force. Et ça c'est vraiment un leitmotiv de all the day quoi. Pour ceux qui me connaissent, je suis rarement en train d'être triste. Et même quand je suis triste, c'est genre que pour 2 minutes. Tu vois, genre sur 24 heures. Je suis triste que 2 minutes et encore même les 2 minutes là, il y a encore 1 minute où je ne fais que rigoler. Bref, donc je vous invite vraiment à pouvoir, enfin, vous procurer ça, vous voulez, comme vous voulez, écrire ce que vous voulez. Et ça c'est un total DIY, c'est-à-dire le cadre acheté, le texte écrire à la main, imprimé, mis dedans, coller, tout ça, plastifié. C'est des DIY, tu vois, c'est ma mère qui a fait. Mais néanmoins, la prochaine vidéo, je vais vous faire un DIY sur tout ce que j'ai pu DIYer ici, si ça se dit. Et voilà, donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Donc comme vous connaissez la chanson, on fait le début en anglais et la fin en anglais. So thank you for watching. Don't forget to like, to comment, to share with your friend. And don't forget to subscribe. Yes, to subscribe to my YouTube channel right now. And to follow my Instagram account that I put you here. So take care of you and may my God bless you. Bye bye.